Bonsoir à tous, novices, vampires, loups-garous et autres créatures mystiques. Je sais que vous êtes beaucoup sur YouTube. Alors, aujourd'hui, ce sujet traitera de Suzanne Mayfair, la première sorcière de la famille. Je tenais aussi à vous avertir qu'il y aura quelques images et surtout vidéos très dures, puisque je vais parler du bûcher des sorcières. Je tenais quand même à vous aviser. Et aussi que. S'il y en avait qui l'attendaient, Choco ne sera pas là aujourd'hui. Il a une réunion avec ses anciens camarades de la marine suisse, si j'ai bien compris, quelque chose de ce genre. Bref, eh bien, installez-vous, parce que nous allons en l'an de grâce 1664. Donc, si vous êtes sensible aux suggestions, eh bien, allez vous en servir une et revenez nous voir. La vidéo commence. An de grâce 1664, Hollande, Amsterdam. Nous sommes donc dans les bureaux du Talamasca et Römer, le chef de l'ordre, a envoyé Junius ainsi que son apprenti Petyr en Écosse, dans la ville de Donnet, afin de éventuellement pouvoir sauver la vie d'une femme qui a été accusée de sorcellerie et qui va être mise sur le bûcher. Faut savoir qu'à l'époque, eh bien, c'est la mode de la chasse à la sorcière. Partout dans le monde. L'Europe, est à feu et à sang. Il y a des bûchers absolument partout. L'Italie, la France, l'Écosse, l'Irlande. Bizarrement, les plus miséricordieux, ce sont les Anglais. Bien que pourtant, quelques siècles auparavant, ils nous avaient cramé Jeanne d'Arc, maintenant c'est eux qui disent qu'ils sont très moralisateurs par rapport à ça. Mais bon, bref, je ferme cette parenthèse. Sur le chemin, malheureusement, Junius meurt, laissant donc Petyr sans expérience dans la ville d'Édimbourg. Celui-ci décide quand même d'aller jusqu'à Donnet afin de tenter ce qu'il peut malgré tout pour sauver la vie de cette pauvre femme. Mais arrivé à Donnet, il se rend compte que malheureusement cette femme a déjà été brûlée et que ses cendres sont en train de voler tout autour de lui. C'est l'histoire de Suzanne Mayfair que je vais vous raconter. Suzanne, donc, c'était la guérisseuse de cette petite ville ou village de Donnelz. Elle était un peu coconne, un peu simple d'esprit, mais pas méchante. Du moins, pas vraiment. Et un jour, cette femme, donc, elle a eu une fille. Cette fille, Déborah, a été conçue un 1er mai. Alors, faut vous expliquer, bon, à l'époque, malgré le fait que nous étions en. Quand même dans la communion, dans le Dieu unique, il existait encore quelques petites fêtes païennes à droite à gauche dans certains endroits, dont à Donnelz. Et donc à Donnelz, il y a eu une fête. Et pendant cette fête, eh bien, Suzanne a été choisie comme la favorite. Bah voilà quoi, il y a eu une gigantesque orgie, d'après ce qui a été sous-entendu. Et donc cette fille qu'elle a eue, Déborah, c'est. Voilà quoi, c'est une enfant consacrée, c'est une enfant des dieux pratiquement, quoi. Elle a été conçue un 1er mai pendant cette fête. Donc, et cet enfant peut être la fille du forgeron comme celui du châtelain du coin. Donc, elle est intouchable, aimée de tout le monde. Ensuite, bien, il y a eu un tournant dans la vie de Suzanne, c'est qu'un jour, il y a eu un homme qui s'est blessé à la main et. Donc il est allé voir Suzanne pour pouvoir être soigné, et cet homme, c'était un juge pour sorcières. Oui, ça existait. Et donc il traversait le pays, il jugeait les femmes, bon,
Et encore, c'était des pseudo-procès, hein, croyez-moi. Et il avait des livres de démonologie qu'il distribuait aux gens pour leur apprendre à reconnaître une sorcière. Il y a, comme qui dirait, des signes. Le sixième doigt, la tache de naissance, le fait qu'une sorcière ne puisse pas pleurer, ce genre de choses. C'est ce qu'on peut lire aussi dans le livre Marteau des sorcières, si vous vous intéressez un peu au sujet de la démonologie. Bon, mais là, bon, c'est plus comme qui dirait des bêtises, hein. Mais dans tout ce ramassis de conneries, ben, y a quand même des choses qui sont vraies. Et il y a une incantation dans ce livre qui permet à une personne qui en a la capacité de pouvoir invoquer les esprits. Le juge, croyant bien faire, lui, distribue ce livre à droite à gauche, il en offre un à Suzanne, et il se rend pas compte qu'en fait, non, c'est lui qui a créé le processus, en quelque sorte. Les sorcières Mayfair, c'est ce fameux juge dont je n'ai pas pu avoir le nom, mais c'est lui qui les a créées, en quelque sorte. Bref. Suzanne, s'essaie à la démonologie, se rend compte qu'elle a quelques capacités, et elle réussit à invoquer un esprit tout près d'un cercle de pierre qu'il y a dans la ville de Donnet, un cercle de pierre qui ressemble un peu à celui de Stonehenge, mais en un peu plus petit. Eh bien, elle a réussi à faire venir un esprit qui s'appelle la chair. Là, il va falloir ouvrir une parenthèse. On va remonter le temps. Pas très très loin en fait. Là, on est en 1664, on va remonter le temps en 1559. Donc, en 1559, il y a eu John Knox et les réformateurs, tout voilà, les presbytériens. Et donc, tout ce qui était catholique, ils le défonçaient. Et dans la ville de Donnet, à l'époque, eh bien, justement, il y avait un saint, non canonisé, mais un homme considéré comme un saint qui s'appelait Achelard. Cet Achelard, justement, eh bien, voilà, c'est le saint de l'impossible. Plus tard, c'est comme ça qu'il sera considéré par ceux qui se souviendront de lui. C'est le saint de l'impossible, un peu comme Saint Jude. Si vous souhaitez quelque chose d'impossible, c'est à Saint Achelard qu'il faut faire cette demande. Eh bien, quand il y a eu les révoltes presbytériennes, la réforme, je veux dire, excusez-moi, eh bien, l'église, du moins la cathédrale, c'était une cathédrale qui ressemblait un peu à la cathédrale de Chartres, apparemment, eh bien, tout a été détruit, les vitraux ont été explosés, la cathédrale a été brûlée, et ce Achelard a été tué. On peut même dire qu'il a été massacré. Dans ce cercle de pierre. Par la suite, son esprit est resté justement sur ce domaine. Et voilà, c'était un simple esprit qui ne pouvait communiquer avec personne, mais il était là. Pourtant, d'après ce que déclarera la chair un petit peu plus tard, le temps n'a pas vraiment eu d'importance. Pour lui, le moment entre sa mort et le moment où il a été invoqué par Suzanne, c'était pratiquement de l'instantané. Il était dans un endroit où le temps, l'espace n'existaient pas. Mais bon, là, c'est. Je ferme cette parenthèse, je vais beaucoup trop loin. Par la suite, les presbytériens ont déclaré que les habitants de Donnelets vénéraient un démon qui avait pris une apparence humaine et que c'est pour ça qu'ils avaient envoyé la cavalerie pour défoncer tout ça. Par la suite, le nom de Achelard fut considéré comme tabou, interdiction de le prononcer. Mais bon, il y a quand même des gens qui ont conservé qui se sont souvenus, qui ont transmis les traditions. Et c'est comme ça que Achelard, Saint Achelard, est devenu le saint de l'impossible. Il est resté dans la mémoire des gens. Et c'est assez souvent dans les Highlands qu'on peut, par exemple, entendre, ou du moins, il est courant, que des jeunes filles ou des personnes qui souhaitent quelque chose qu'elles ne puissent obtenir fassent la demande à Saint Achelard. Eh bien, pourquoi il est par la suite surnommé la chair? Alors, il y a une théorie, il y en a plusieurs bien sûr, mais moi j'en ai une, c'est que cet esprit, il est mort en 1559, cet homme est mort en 1559, et entre-temps, il y a eu les recueils de démonologie qui a été. Voilà, cette partie a été écrite en Écosse. Ensuite, le livre a traversé l'Europe,
Il est passé par la France, par l'Italie, par l'Espagne, pour remonter ensuite, pour revenir dans une nouvelle version traduite. Il est revenu en Écosse. Et il est possible que pendant justement toutes ces traductions, eh bien, le nom a été changé. Ça arrive souvent, ça. Mais ça a son importance puisque faut savoir qu'en démonologie, eh bien, si vous connaissez le nom du démon que vous avez invoqué ou auquel vous êtes confronté, vous avez du pouvoir sur lui. Et là, le fait que Suzanne ait réussi à l'invoquer, déjà c'est une très grande chose, mais elle l'a invoqué, mais il n'est pas totalement à son service, puisque Suzanne, elle est persuadée qu'il s'appelle Lachère, alors qu'en vérité, son véritable nom, c'est Ashlar. Plus tard, eh bien, il s'avère que Suzanne, oui, on revient à l'époque de Suzanne, on va un peu parler d'elle quand même. Suzanne, eh bien, elle a eu des mots, une engueulade avec une laitière. Elle s'est grave engueulée avec elle, et voilà. Et quelques temps plus tard, il y a une grêle instantanée, spontanée, qui est tombée sur la maison de la laitière. La laitière n'est pas morte, elle n'a pas été blessée, mais bon, les gens ont vu ce qui s'est passé et de suite, eh bien, Suzanne, elle a été arrêtée, interrogée et condamnée. Et je ne pense, il y a eu apparemment des frais qui ont été déboursés, des frais aux frais de Suzanne en plus, si je peux me permettre. Oui, voilà, puisque Suzanne était très très riche, avait de l'argent caché chez elle, puisque la chère lui ramenait des bijoux, de l'or, ce genre de choses. Donc il y a un juge qui a été payé avec l'argent de Suzanne, ainsi que le bois, la charrette et tout le toutim, quoi. Bref. Donc, Suzanne a été donc arrêtée, elle a été jugée, enfin, un pseudo-procès, et brûlée. Sa fille, Déborah, elle aussi, elle a un peu fait les frais de l'interrogatoire. Elle n'a pas été brûlée parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une enfant qui a été conçue le 1er mai. Elle est intouchable. Et de plus, ben voilà, personne ne sait qui est son père. Et donc, si c'est réellement la fille du châtelain du coin, peut-être que ça va pas lui plaire si on fait du mal à sa fille. Voilà tout. Donc, par la suite, eh bien, ça, je vous invite à voir la vidéo sur Déborah Maillefert pour savoir ce qui s'est passé, mais je peux quand même vous dire que Suzanne a été vengée. Puisque 25 ans plus tard, après justement les circonstances et le drame qui s'est passé à Mantes-Clèves, avant d'aller rejoindre Charlotte, Lachère, il a fait une petite escale à Donnet et il a tout pété. Il a mis le feu au château du gars du coin, parce qu'il s'avère qu'en effet, il était réellement le père de Déborah, et il n'a absolument pas bougé quand on a brûlé Suzanne et quand on a justement malmené Déborah. Il ne l'a même pas recueilli chez lui. Donc Lachère, il s'est vengé, il a mis le feu au château, il a fait tuer donc par cet incendie le châtelain est mort, ainsi que son fils et ses petits-fils. Voilà, ce qu'il reste de Donnet, c'est un château en ruine, une cathédrale en ruine et un cercle de pierre. Voilà tout. Les seules personnes qui vont le visiter, ce sont les férus d'histoire des Highlands et bien sûr le Talamasca. Eh bien, voilà tout. C'est tout ce que je pouvais vous dire sur la vie de cette pauvre Suzanne. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Les commentaires, c'est fait pour ça. Bon, j'ai vu qu'apparemment il y en avait un, il s'était barré dès le début, donc c'est dommage, j'ai pas eu plus de détails. C'est vrai que je disais des gros mots, j'ai critiqué la série Mayfair, tout ça. Mais attendez, quand je vais vous parler de la série Entretien avec un vampire, je vais pas mâcher mes mots non plus, ça je peux vous le dire. Bref, en attendant, guettez les prochaines vidéos.